Le groupe était au top. Et merci. L'ambiance a été très bonne. Nous avons passé un bon moment. J'étais très satisfait d'entendre la bande à Mano. La bande à Mano a joué dimanche à Boravinla, à Mornalo, en Guadeloupe. Un déjeuner qui a réuni près de 2000 personnes. Nous y étions. Un reportage de William Zali. L'émission en direct de Mo 4 Paroles de Zouk TV a une très forte retombée en Guadeloupe. En effet, le groupe de la bande à Mano était convié dimanche dernier à un déjeuner champêtre à Mornalo sur le site Oboravinla. Un accueil émouvant leur était réservé à l'aéroport Paul Caraïbe. Je fais mon devoir de venir au même bout, féliciter pour vous dire le travail que vous faites. Et Dieu seul sait que le samedi, je dis les Guadeloupéens, les Guadeloupéennes sont tellement enchantés. Et parfois, ils oublient même les bonnes choses, mais sans oublier Mano et son équipe. Direction Oboravinla, là où les attendait déjà un nombreux public. Je suis sortie de Saint-Claude et je suis venue voir, je voulais à tout prix voir la bande à Mano. J'ai fait le déplacement de Marie-Galante et je suis venue jusqu'à Mornalo pour les voir, pour danser, pour m'amuser. Très souvent je le fais devant ma télé, mais aujourd'hui, c'est la joie. Le groupe était au top. Et merci. L'ambiance a été très bonne. Nous avons passé un bon moment. J'étais très satisfait d'entendre la bande à Mano. Qui sont sous pression toujours, hein, comme moi par exemple. Donc je demande plus. Hein. À la bande à Mano, Boravinla, c'est quelque chose de merveilleux. J'avais vraiment envie d'aider ma tante à faire ce spectacle. Ah, il y a une très bonne communication et puis les gens aiment vraiment ce groupe. Je pense que Mano. Et il fait un travail aussi, tous les samedis, il y a des gens qui leur permettent de se détendre, de sourire, de communiquer avec la Martinique. C'est quand même important. Pour moi, c'est la relation entre la Martinique et la Guadeloupe. Si j'avais raté ce jour, eh bien, on